le nouveau Rocky Mountain Altitude Power Play. Aujourd'hui, j'ai le plaisir à vous présenter des points forts au niveau de la géométrie. Alors, tout commence par le positionnement du moteur. Quand on voit que le moteur n'est pas positionné autour de l'axe du pédalier, mais est avancé. Ça nous permet de raccourcir les bases, ça nous permet d'avoir un Q-factor, c'est-à-dire la largeur entre les manivelles bien réduite. Et puis dans la pratique, la base plus courte nous donnera la possibilité de faire des virages beaucoup plus serrés. Plus le Q-factor réduit va faire deux choses. On va avoir un coup de pédalage qui ne va pas constamment cogner contre des obstacles, surtout de les monter encaissées. Puis avec ceci, le power play nous apporte des choses qu'on n'a pas vues avant. Un sacré plaisir de rouler avec ça. Ah! 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 Ah!